Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur Animal Crossing New Leaf, sur évidemment Animalia. Donc je tourne assez tard, donc j'ai pas eu le temps de vous expliquer exactement la situation. Mais pour éviter de gaspiller du temps de vidéo, je vous invite fortement à regarder pour cette fois-ci la description de la vidéo. Donc voilà, c'est très important, voilà, je le mets ici le texte, voilà. Regardez dans la description, voilà, si vous voulez un petit peu comprendre. Donc, aujourd'hui, je suis un petit nid, je ne sais pas pourquoi je me suis tapé ce délire. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui avait visité ma ville en rêve. Donc, je sais que c'était un garçon, je crois que c'était Loan ou un truc comme ça. Je suis désolée si j'écorche ton nom, mais je sais que j'ai commenté ta vidéo en tout cas. qui avait du coup visité ma ville en onirique et qui avait remarqué que Topaz était... que Topaz avait la tête de Mi. Donc il avait dit que c'était la première fois qu'il voyait dans une ville onirique quelqu'un qui avait un Mi. Et je suis d'accord en fait. Je vais pas répondre là en fait parce que je suis limite en vidéo. Voilà, donc les seules fois où mes amis 3DS me verront jouer à Animal Crossing en ce moment, ce sera principalement pour... ce sera principalement pour les vidéos. Oui, donc j'ai pas changé mon commentaire d'amis 3DS, c'est pas grave. J'ai toujours mis banané. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, en fait, rien du tout. Voilà, je ne sais pas du tout. J'avais pas prévu forcément de tourner cette vidéo. Si vous avez lu la description, ou alors que vous la lirez après, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, je sais pas du tout quoi faire. On va dire que c'est une petite vidéo un peu détente. Donc, on va parler un petit peu à tout le monde. Et puis voir un peu après ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quoi de neuf? Dis, tu peux me conseiller pour ma déco, loulou? Gratuitement, hein? Je veux dire, entre potes, ok? Mon intérieur commence à sentir la beaufitude à plein nez. Il me faut la classe de la... J'arrive pas à dire. De la classe du chic du rêve. Tu pourrais me trouver un meuble tellement cool qu'on croirait qu'il a été créé pour moi, Ninou? Ok. Si je trouve un meuble, je te le dis. Alors, est-ce qu'il y a un meuble par là? Non, je ne crois pas, donc désolé, Lico, tu devras attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire petit texte? Je suis déjà passée par là, mais on s'en fout. Donc, j'avais dit dans la dernière vidéo d'Animal Crossing que je mettrais ma ville à jour, chose que je n'ai pas faite malheureusement. Parce que, pour vous expliquer le truc, c'est que je mets mes motifs, donc c'est pour ça que j'ai 4 personnages, je mets mes motifs sur le perso de Topaz. Voilà, que je me cours pas. Je mets les motifs sur le perso de Topaz. Du coup, comme je joue très rarement avec Topaz, je n'ai pas le temps forcément de remettre les motifs sur la place de la ville ou quand les habitants s'en vont ou quoi que ce soit, des trucs comme ça. Du coup, ben voilà, j'aime pas mettre ma ville à jour quand il y a des motifs qui manquent, c'est un truc qui m'insupporte. J'ai l'impression que ma ville est dégueulasse si je fais pas ça. Donc en gros, là je viens de remettre les motifs de la place, je suis même pas sûre. Oui, je les ai remis. Oh, je suis pas tête en l'air pour une fois. Bon, ben j'ai remis les motifs de la place, ce qui veut dire que... je vais un petit peu arranger ma ville en dehors de la vidéo. Mais normalement elle sera à jour, là c'est sûr. Elle sera à jour dans la semaine. Et voilà, je le redis, si jamais vous allez visiter la ville cette semaine, enfin à partir de cette semaine, quand elle est à jour. Donc pour savoir quand elle est à jour, je crois qu'il faut aller sur le panneau de la gare. Normalement il y a marqué la date à laquelle elle a été mise à jour. Et vous aurez une nouvelle cuisine dans ma maison. Je crois que je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. J'avais montré même ma cuisine. Pourquoi je vous montre ça, moi, avec la petite boule à neige? Ben voilà, Blanche est partie. Ce n'est pas pour me faire suer. Voilà, c'est normal que la boule roule toute seule, c'est juste qu'un petit insecte. Je vais juste mater. Oh non, elle va pas faire tomber la bouboule. Tu veux pas? Non? Tu veux pas? Pauvre... Ah si, si, vas-y! Ouais! Oh, j'adore faire ça, je sais pas pourquoi. J'adore lancer les boules de neige dans le fleuve, dans la rivière, ouais, c'est pareil. J'ai rien à foutre, c'est pas grave. Donc voilà, je disais, Blanche est partie, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai même pas... Non, elle me l'avait même pas dit, elle avait pas prévenu qu'elle s'en allait, donc je pense qu'elle se plaisait pas du tout dans ma ville. En même temps, je jouais pas énormément, donc j'ai pas pu trop parler avec elle, ce qui est un petit peu compréhensible. Donc voilà, ma petite Blanche est partie, mais c'est pas grave. On va bien trouver quelqu'un d'aussi attentionné qu'elle, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, j'ai une petite idée. J'ai bien envie d'aller mettre
Ah non, peut-être pas mettre ma ville à jour tout de suite, mais au moins... Oh là, je passe devant les tourtereaux, s'il vous plaît. Au revoir. Au moins d'aller faire un petit quelque chose. Donc je vais juste... Voilà. Donc là, on va se retrouver au salon de détente. Putain, mais en fait, c'est trop magique, quoi. Je passe de ma ville au salon de détente, Mike Why. What the fuck. Bon. Alors, ça fait un petit bout que je l'avais pas fait. Non, c'est pas un petit chercheuse de rêve. C'est tout simplement visiter la ville de... Enfin, la dernière personne qui a visité la mienne. Donc je ne sais pas sur qui ça va tomber. C'est de la loterie. Je pense refaire ça. Ou alors, je vais parler 2 minutes. Hein. Y avait quelqu'un qui m'avait proposé de faire une série de rêves oniriques de mes abonnés. Je pense faire ça. Je dis bien je pense. Hein. C'est pas encore officiel. Je vais réfléchir quand j'aurai le temps. Donc vers février-mars, hein, je pense. Je vais réfléchir sérieusement pour cette série. Alors, le rêve de ma ville. J'ai le plaisir de t'annoncer. Mathilde de Sun City, ça me dit quelque chose Sun City, je sais pas si c'est ça. Alors, Mathilde Sun City, écrit comme ça, ok. Je vais donc chercher, on va faire les petits préparatifs ensemble. Montre-moi un rêve. Ok. Donc vu que j'ai pas de code onirique, je peux pas savoir exactement la ville, donc s'il y a plusieurs Mathilde de Sun City, bah désolé. Voilà, je ne connais pas forcément tous les codes oniriques de la planète. Alors, cherchons-en un. Donc peut-être, je vais taper le nom de la ville parce que des Mathilde, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, cherchons une ville. C'est parti. Donc, je crois que Sun, c'était comme ça. Et City, il me semble que c'était comme ça. Alors, Sun City, Mathilde. Oh, bon, j'ai une Mathilde. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Madeleine, non. Apparemment... Ah non, il y a 2 Mathilde. Non. Bon. Je vais voir la première. Allez, je sais pas. Je sais pas si c'est toi, mais au cas où, voilà. Nous ne savons pas. Je remets mon petit bonnet et nous allons faire ce joli rêve. J'ai remarqué dans la dernière vidéo, d'ailleurs, que la qualité de... Enfin, de... Comment dire? Pas de filmage. Oh non, on va dire ça, de filmage, vous avez vachement plu. Hein. Donc j'ai l'impression que là, oui, en effet, la qualité est vachement meilleure, il y a moins de traits dégueulasses sur l'écran. Je suis ravie en tout cas que ça vous plaise. Et je rappelle, si vous avez des questions, voilà, je me fais un petit placement de produit pendant que ça charge. Je possède Ask depuis pas très longtemps, donc si vous avez des questions, au lieu de faire une FAQ tous les 300 ans, balancez toutes vos questions, hein. C'est pas grave. Waouh! Ah bah j'espère que c'est ta ville, Mathilde! J'espère. Sinon, je suis dans le caca parce qu'elle est super jolie. Allez, bon, je connais le blabla. Merci. Allez, aujourd'hui, nous visitons la ville. Voilà, c'était vraiment pas attendu. Je suppose que si c'est ta ville, tu t'y attendais pas non plus. Alors, je vais prendre les petits cadeaux qu'il y a. Je sais pas ce que c'est, ça. Oh, un ballon lapin. J'adore. Non, c'est pas Dior, c'est Knorr. Je sais plus la moutarde, là. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Oh, bah au moins j'ai pas une coupe dégueulasse pour une fois. Hop là. Et je remets ma petite robe. Oh, mais je suis trop mignonne. Merci pour ce vêtement onirique. Alors, la ville. Évidemment, de toute façon, je vais mettre le code onirique en haut. Hein. Voilà, elle a été mise à jour le 14 janvier. Il n'y a pas très longtemps. Bon, ça va. Alors, voyons voir. Par où commencer? Déjà, voilà, je ne me repère pas avec la carte, moi, je vais au feeling. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. What? Bon. Alors, je vais faire au freestyle. Il n'y a pas de chemin, je vais trouver un chemin, moi, c'est pas grave. Voilà, j'ai trouvé un chemin, t'as vu? Alors, va y voir par là. Oh, j'adore les trucs comme ça. Mais non, pourquoi tu me bouches la route? En fin de compte, il y avait un chemin. Je l'avais pas vu, c'est tout. Le petit coin japonais, ce que j'ai compris, hein, parce que... Oh, j'adore faire ça. Vous le savez maintenant. Allez, réveillez-vous. Feignant. Alors, petit coin... Oh, ça j'adore aussi. Mais en fait, il y a tous les bâtiments à côté. Je viens de remarquer, il y a la mairie, il y a la gare et la place, tous au même endroit. C'est ouf, ce truc. Alors, je crois que t'es la première personne qui met la pergola devant la mairie. Franchement, bonne idée. Enfin, franchement, ça rend magnifique, en fait. Mais c'est trop beau! Avec la mairie, c'est trop beau! J'ai pas vu le drapeau! J'ai pas vu le drapeau, malédiction!
Oh, trop cute. Alors franchement, je pense enregistrer ce rêve dans les codes oniriques que j'ai en stock. Voilà, une belle petite ville. Voyons voir encore là. Ok. Mais franchement, je sais pas où t'as eu ce sol là, mais il est super classe en fait. Je l'ai jamais vu avant. Enfin, je parle à moi-même en fait parce qu'elle me répondra pas là. Hein. Non, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'adore ce sol. Je le mettrai pas dans ma ville, mais je l'adore. Si on continue là, on a une poule. D'accord. Mais je crois que je l'avais avant. Tout au moins un cartoon. Là, il y a des pêches parfaites. Donc, supposer que ton fruit de base est la pêche. Là, il y a un petit truc de. Ok. Les vestiges. Ah! Voilà. Normalement, elle partage ses motifs. C'est cool. Enfin, moi, j'ai plus de place. Mais si vous voulez des petits motifs, voilà. Petit placement de produit aussi. On va aller par là-bas. Oh, il y a plein d'arbres, je sais plus où marcher. Moi qui me plaignais d'habitude qu'il n'y avait pas assez de végétation, ah bah là, j'ai rien à dire. Un petit perso! Un petit perso! Sarah, merci. D'ailleurs, je sais pas où sont les. J'ai pas dit les habitants, je suis cruche, moi. Alors, Mathilde. Elle est où, Mathilde? Ah bah en fait, je suis carrément à l'autre bout. Alors, en personnage, Mathilde, Matt, Camille, Sarah. D'accord. Jusque-là, ça va. Ensuite, en habitant, attendez-vous, c'est parti, Grisette, Pompon, Édouard, Kabuki. Oh, Kabuki, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'avait demandé sur Ask, il me semble, hein, qui m'avait envoyé une photo. Myrtille, Eva, Rosalie, Rosine, Garance et Lucie. Je pense que c'est tout, voilà. Donc, Mathilde, je dois aller par là-bas. Il faudrait pas que je me perde quand même. Je vais retourner dans toute la cambrousse. Jordi de la jungle. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, c'est pas grave. On fera comme si j'avais rien entendu. Alors normalement la maison est ici, mais il n'y a pas de perso. Alors, si t'es dedans, j'irai pas dedans. Bon, c'est un arbre que j'ai cogné. Non, c'est pas toi, c'est un cochon. Ah oh, mon dieu, l'insulte. Bon. Il n'y a pas ton petit perso, non. Je voulais le voir. Non. C'est pas grave. Je le verrai une autre fois vu que j'ai enregistré le rêve. Alors, voyons voir. Donc, au cas où, hein, évidemment, voilà, le code il est toujours en haut. Hein, parce que je l'avais pas au début, mais maintenant que je l'ai, je vous le donne. N'hésitez pas à aller voir cette ville parce que vous voyez qu'en même temps que moi, franchement, elle est super jolie. Hein. Je suis pas déçue. Je suis pas déçue que tu viennes visiter ma ville, toi. Je pense qu'on a fait le tour en fait. Je pense. Oh, encore un petit perso. Matt. Matt, mais c'est pas un mec, Matt? Je croyais. Ouh là là. Ici, le petit panneau électrique, comme moi. Le centre de police. Ah, toi, tu l'as fait moderne. Ok. En même temps, ça va peut-être mieux avec ta ville. Quoique les deux allaient, peut-être, je pense. Je pense que les deux allaient. Oh, ça, c'est trop chou. Je sais pas où tu l'as eu. Pique-nique. Je me tape des délires toute seule. Faites pas attention. Franchement. Ne faites pas attention, je suis shootée tout le temps, tout le temps. Bon, bah, il me semble qu'on a fait le tour. Il me semble. Bon, je vais rentrer et puis on va se faire un petit tour sur l'île, voir s'il y a quelqu'un qu'on connaît. Allez, veux-tu te réveiller maintenant? Oui, réveille-moi. Vas-y. Fille de Satan, réveille-moi! Hop là! Mais qu'est-ce que je fous là, moi? J'étais en train de dormir les 2 secondes. Bon, vous auriez remarqué que j'ai enlevé ma tête de mie, du coup. Oui, j'en ai profité pendant la téléportation, je me suis fait un kiff. Non, mais sérieusement, bon. Alors, je vais du coup aller sur la petite plage. Je pense que ce sera ça sera le rituel tant que j'aurai rien d'autre à faire. Voilà, je vais juste voir encore une fois si je tombe pas sur des gens un petit peu bizarroïdes. Voilà. Mais à mon avis, vu l'heure, il y aurait de fortes chances que je croise un abonné ou une abonnée. Nous savons pas ce que j'ai dit que normalement j'allais sur l'île. Donc quand j'aurai le temps, j'allais sur l'île entre 18 et 22 heures approximativement. Oui, je parle comme une scientifique. Alors dis-moi, Moussaillon, tu vas voir qui? Je vais voir mon amant. Je trompe, je te trompe, amiral. Allez, ah, des gens de mon pays, ce serait plus raisonnable. Allez hop. Tu
Tu veux pas emmener tes petites affaires sur la 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 la, oui d'accord. Allez, c'est parti! On va prendre le petit bateau. Hop là. Alors, je vais peut-être couper le temps de chargement, on en a un petit peu rien à foutre. Allez hop. Et voilà, nous sommes sur l'île. Ah bah il y a qu'un garçon, Melvin. Ouh là là, il est au taquet lui. Ouh là. Attends. Melvin, je peux dire coucou? Je dirai ma façon. Coucou. Je pense pas qu'il me connaît, ouais. Alors il aurait gueulé comme la plupart d'entre vous. Oui. Mais il a pas l'air de me connaître. C'est pas plus mal parce que des fois il y a des gens. C'est pas contre vous, mais vous me sautez dessus comme des sangsues là. C'est pas possible, je sais plus où donner de la tête après. Je sais plus à qui répondre. Genre, oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben bon. Ah, bah si, il me connaît. Ah, il me connaît. Eh ben dis donc, si je m'attendais à ça, moi. Oh, yeah. Oh, la qualité de vidéo est parfaite. Enfin, sur mon écran en tout cas, comme d'habitude. Parce qu'après, ça rend pas pareil du coup sur votre écran. Ah, merci. Oh, c'est trop mignon. J'ai toujours craqué quand on me dit ça, moi. J'adore tes vidéos, t'es trop mini et tout. Trop chou. Bon, bah attends, je vais lui dire quand même, hein. Tu passes en vidéo. Là. Ok. Au moins, peut-être qu'il verra cette vidéo, je sais pas. J'attends qu'il réponde, allez. Dis quelque chose. Oui. Je suis en train de filmer, oui. Tu passes en vidéo. Voilà. Donc, petit coucou à YouTube, hein. Voilà. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes des paumés de l'île. Enfin, moi, en tout cas. Ah, en tout cas, j'adore le petit avatar. La petite casquette et tout. C'est swag. Franchement, j'aime bien. Ouais. Bon, oui, je filme. Bon, alors. Moi, je vous propose, parce que la vidéo est très longue, sans pour une vidéo d'Animal Crossing, oui, c'est assez long. Je vais essayer de rester un petit peu papoter avec lui. Donc, voilà. Petit coucou à Melvin, s'il est là sur cette vidéo, hein, s'il est au passage. J'espère que cette petite vidéo, voilà, détente, où on n'a pas fait grand-chose, hein, vous aura plu quand même, parce que je sais que, bon, mes vidéos sont pas vraiment super, comment dire, ça bouge pas beaucoup, quoi, surtout Animal Crossing, c'est un petit peu lent, voilà. Donc, je vous dis du coup, bah, bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez ça, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la prochaine. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux.